Bonjour à tous, amis de la miséricorde, en ce mercredi 22 mars, où nous fêtons Sainte Léa, qui était de Rome et qui a été disciple de Saint Jérôme. Alors Saint Jérôme, je vous en ai déjà parlé, c'est celui qui a vécu pratiquement toute sa vie à Bethléem. C'était d'abord le secrétaire du pape Damase, et c'est grâce à Saint Jérôme que nous avons la traduction des évangiles de grec en latin. Et du coup, ça a permis l'évangélisation de tout le bassin méditerranéen, c'est-à-dire occupé par l'Empire romain. Alors, elle était une dame romaine, disciple de Saint Jérôme, ça veut dire que ça fait partie de ces personnes qui l'ont aidée par l'argent, par le pouvoir, par tout ce qu'elle pouvait faire pour lui et pour l'aider dans sa mission. Alors, Sainte Léa, eh bien, nous te demandons de prier à toutes nos intentions. Aujourd'hui, nous sommes le 29e jour de carême, nous sommes dans la 4e semaine de carême, et on entend cette parole de Luc, « Pardonnez et vous serez pardonnés ». C'est ce qu'on retrouve dans le Notre Père. Une petite prière. « Ô mon âme, maintenant je vais te consoler, toi qui dis à ton frère, pardonne-moi le mal que je t'ai fait. » Tu as dit cela de tout ton cœur, en toute vérité et humblement, avec un amour sincère. Dieu voit le fond de ton cœur, il sait que tu dis la vérité, mais ton frère n'a pas voulu pardonner ta faute. Alors ne te fais pas de soucis. Tous les deux, vous êtes des serviteurs et vous avez un maître. Tu as fait du mal à ton camarade de travail et il ne veut pas effacer ta dette. Dis-le à Dieu, qui est votre maître à tous les deux, et le maître te donnera son pardon. Voilà, on parle beaucoup de pardon pendant le carême, c'est le moment de faire le grand ménage de printemps et d'aller justement déposer au pied de la croix de Jésus tout ce qui nous encombre pour nettoyer, laver, purifier, sanctifier notre âme. Nous prions à toutes vos intentions et particulièrement pour la paix dans le monde, surtout là où elle est menacée. Nous prions pour tous les agonisants, qu'ils meurent paisiblement et en la douce présence de Jésus. Nous prions pour l'âme de ceux qui ont fait le passage, tous les défunts, toutes les âmes du purgatoire, les âmes de nos parents. Nous prions pour tous les malades physiques, mentaux, les grands malades. Nous prions pour ceux qui vont être opérés ou qui viennent de juste de l'être, là, pour une bonne convalescence. Nous demandons le pardon de tous nos péchés et ceux du monde entier. Nous prions pour toutes nos familles, nos enfants, nos petits-enfants. Et nous prions pour les intentions de Maman Marie. Nous prions pour nos dirigeants, les présidents russes, chinois, tous ceux qui ont du pouvoir, justement. Nous prions pour tous les prêtres et que le Seigneur nous donne toujours des prêtres. Nous prions pour toute l'Église. Nous prions pour les enfants abandonnés, les veufs, les veuves, les femmes en difficulté. Nous prions pour la France. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.
par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.
par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Amen. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions Saint Joseph avec Monseigneur Brincard, qui était l'évêque du Puy-en-Velay et qui est décédé en 2014. Saint Joseph, vous avez été choisi par Dieu pour être l'époux de Marie, mère virginale du Verbe fait chair. En Jésus, vous avez contemplé le don du Père. Vous vous êtes mis à l'école du Sauveur, tout en veillant à sa subsistance et à son éducation, dans un climat de respect, de prière et d'amour. Par votre travail humble et persévérant, vous avez servi avec la joie du cœur donné ceux que l'unique Père des cieux vous avait confiés. Modèle parfait de l'autorité paternelle, nous vous prions pour que nos familles, dans l'amour et la prière, glorifient toujours mieux la Trinité divine, notamment en étant source de réconciliation et d'espérance à l'égard de ceux qui sont blessés dans leur cœur par des divisions ou par des séparations douloureuses. Glorieux Saint Joseph, que nous aimons à invoquer sous le vocable de Saint Joseph de Bon Espoir, nous vous prions aussi pour l'Église, la famille universelle des enfants du Père. Vous êtes son protecteur et gardien. Veuillez lui obtenir la grâce d'une unité de plus en plus forte dans la charité. Nous vous confions à nouveau nos familles de la terre, afin que par la sainteté exemplaire de leurs membres, elles contribuent à l'expansion du royaume de Dieu parmi les hommes et au salut de toute l'humanité. Amen. Et nous te confions, Saint Joseph, toutes les intentions d'aujourd'hui et qui sont dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous allons méditer les mystères glorieux du rosaire de l'Annonciation pour bien nous préparer à cette fête de l'Annonciation. Voilà, on se donne rendez-vous demain à l'heure de la miséricorde, si Dieu le veut, et on reçoit la bénédiction de la part de Jésus, de Joseph et de Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain !